Good morning, Aleïd, et nous suivons aujourd'hui le Nishmat Richard Aharon Ben Fortuné Mazal, ainsi que le Fratran de la Badgit, le Ratsara de Nechama et Efrat Batsara, le Torchar Chola Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étions Masrach Kalim, Parik Dalet, Mishnah Gimel. Motar Sheyare Halishka Mehayu Osin Baen. L'Ukraine Baen Yenot, Shmani Muslatot, Vasachar la Hekdesh. Divré Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva Omer, En Misakin Michel Hekdesh, Velo Michel Anim. La Mishnah, depuis le début du chapitre, on étudie la gestion des fonds récoltés, du Machatzit HaShekel pour le moment. Après, on est élargi dans le pire, mais c'est encore d'autres choses qu'on récoltait. Pour le moment, on se concentre sur le Machatzit HaShekel, on réunissait tout l'argent dans une Nishka, dans une cabine, on prélevait la Touma. Ça, c'est la Korbanot Alishka. Mishnah Aleph, on a appris qu'on faisait tous les Korbanot publics avec. Mishnah Bet, on a vu que les Shiar Alishka, les restes de la Alishka, ce qui n'a pas été prélevé, alors qu'on pouvait l'utiliser pour l'entretien de la ville, toutes sortes de nécessités qui étaient publiques aussi, de biens publics. Maintenant, l'année c'est fini, et il nous en reste, on est reparti pour un nouveau tour. Et même dans la Shiar Alishka, même les restes de la Alishka, il nous restait trop d'argent. On était tellement riche, vous imaginez, s'il y a une caisse publique. Aujourd'hui, qui a tellement un excédent d'argent, ben, en tout cas, ça arrivait. Qu'est-ce qu'on faisait avec tout cet argent qui restait? Parce que c'était très bien géré, en fait. C'est ça le truc. C'était pas comme à notre époque où on en met plein dans les poches. D'accord, c'était géré avec une grande Yirat Shamaim, le peur de transgresser l'interdit de Meïla, je sais pas si vous imaginez. Chiouv Mita Bide Shamaim pour celui qui prend de l'argent qui ne lui revient pas de cette caisse, d'accord? Donc, du coup, maintenant, il restait de l'argent dans cette caisse. L'année, c'est fini, on n'a plus rien à faire avec cet argent. Qu'est-ce qu'on a? On n'a plus rien à faire en faisant. En affaire pour l'entretien de la ville ou ni pour les biens des corbanotes. Il en reste, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on appelle le motar shiirei alishka. C'est pas shiirei alishka, c'est le motar des shiirei alishka. La lishka, c'était la cabine. Une fois qu'on a pris la trauma, ce qui reste, c'est les shiirei alishka. Une fois, l'excédent de ce qui va rester, une fois qu'on a fini l'année, qu'il n'y a plus rien à faire avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça va être un sujet en fait qui va être étalé sur deux mishnayot. On va découvrir d'abord une première discussion. Sur ça, on a pour le premier avis d'abord. Rabbi Ishmael qui va me dire l'okrin ben yenot, on va acheter avec cet argent, on va acheter du vin. Shmanim et des huiles. Ou slatot et des semoules. Parce que celui qui apportait un korban au Beit HaMikdash, il fallait aussi en général qu'il apporte des menachot, des oblations. Et du coup, eh ben, on faisait un petit peu grossir la caisse du Beit HaMikdash, encore plus, pour avoir encore plus d'argent, pour faire encore plus de choses, comme ce qu'on va voir dans la première Mishnah. Et va sachar l'Egdesh, et le gain qu'il va y avoir, le bénéfice, il va être pour l'Egdesh. Comme ça, l'Egdesh, il va y rester 20 000. On va réussir à doubler le capital, à monter à 40 000. Et comme ça, on apprendra dans la prochaine Mishnah, qu'est-ce qu'on fait ensuite avec ces 40 000, les 20 000 du capital, et puis les 20 du supplément. D'accord? Ça, on en reparlera dans la prochaine Mishnah. Et ça, c'est l'avis de Rabbi Ishmael, qui disait donc qu'on faisait du business pour la caisse du Beit HaMikdash. Ça, donc c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva discute, il n'est pas d'accord. En Mistakrin, Michel Hekdesh. On ne fait pas de business avec l'argent du Hekdesh. Il rapporte le Barthénora, chez En Aniyut, Bimkom Ashiyut. Il ne faut pas se conduire comme un pauvre dans l'endroit où il faut se conduire avec richesse. Le Beit HaMikdash, c'est la noblesse, c'est le kavod. Tu me fais du business, t'imagines, je sais pas, j'ai entendu une fois qu'il y avait, je sais pas, une femme de premier ministre qui récoltait des bouteilles pour gagner des 50 agorotes. Ça me fait un peu de la peine, je me suis dit quoi, ils font l'aumône. Bon, bref, même si on peut gagner plein d'argent avec ça, c'est pas kavod, c'est pas classe, c'est pas digne, c'est indigne, d'accord? Donc, en aniyut bimkom ashirut, ça fait pas kavod pour le Beit HaMikdash de se mettre à... on est censé être un endroit de richesse, de largesse, c'est pas un endroit où on va se mettre à faire des petits pour gagner 5 shekels par 6, 5 shekels, voilà. Même si concrètement, c'est sûr, tu vas pouvoir attendre plein d'argent malgré tout. C'est pas kavod. Ça, c'est pour le Hekdesh. Donc, sur la Mekiva, on fait pas de business. Mais du coup, on apprendra dans la prochaine Mishnah qu'est-ce qu'on fera alors finalement avec cet argent. D'accord? C'est important, retenez bien. Selon Rabbi Ishmael, il va me rester deux excédents. Une fois que j'ai fini, qu'on a fini l'année, qu'il n'y avait plus de frais d'entretien de ville, il va me rester deux argents. Il va rester l'argent de la caisse elle-même, et puis le bénéfice que j'ai fait sur la caisse. Il va falloir gérer ensuite qu'est-ce que je fais avec cet excédent, ces doubles excédents. Selon Rabbi Akiva, il n'y a pas deux, il y a un seul. Il y a ce qui est resté. D'accord? En Mistakrin Michel Hekdesh, on ne fait pas de business avec l'argent de Hekdesh. Velo Michel Anim, et on ne fait pas non plus avec les Anim, avec la caisse d'argent des pauvres.
Si toutefois toi tu es gabaye de la trésorerie des pauvres, et puis maintenant tu as eu 20 000 shekels qui sont restés dans la main, tu as fait une collecte pour les fêtes, tu as tout distribué et il en reste plein. Maintenant, ça c'est l'argent spécialement pour les fêtes, tu vas le garder pour quelques mois, pour après, quand il y aura les prochaines fêtes, tu referas une petite distribution. Pour le moment, il te reste de l'argent, c'est dommage, viens faire un petit business, achète un truc, recommence, vends, comme ça tu vas gagner. Et c'est les pauvres qui vont gagner, il n'est pas question que tu te remettes dans la poche. Malgré tout, non, on ne fait pas. Pourquoi? Cette fois-ci, ce n'est pas un problème de kavod, c'est pas la question. C'est un problème que quoi? De peur qu'il va y avoir, pitom, d'un coup, il va y avoir une très grosse nécessité de donner l'argent aux pauvres. Il y a eu un quelconque problème, il y a eu la mutation du Guatemala qui est arrivée, et puis maintenant, du coup, c'est la catastrophe. Il va falloir libérer des fonds, et puis là, tu n'as plus de fonds à libérer parce que tu as tout investi pour acheter des chaussettes à revendre un peu plus cher. Donc, c'est pas, on ne fait pas du business avec l'argent d'Anim. L'argent que tu reçois pour le distribuer, tu le gardes et tu le distribues immédiatement. D'accord? Il doit être apte à être distribué immédiatement. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de salam.